Après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame au cœur de Paris le 15 avril dernier, je pense que c'est la bonne occasion de découvrir son histoire. Parce que ouais, l'histoire de France est intrinsèquement liée à Notre-Dame. Celle qui domine l'île de la Cité depuis maintenant plus de 850 ans a connu l'un de ses plus grands drames. Mais ce n'est pas le premier, et l'histoire de Notre-Dame est riche et remonte en réalité à plus de 1000 ans. Alors aujourd'hui, on part à la découverte de cet édifice emblématique de la capitale française. Le lieu où se situe actuellement Notre-Dame a toujours été un lieu de culte, mais on n'y a pas toujours vénéré un dieu chrétien. Lors de travaux en 1711, on trouve cette mystérieuse pierre. C'est là que l'on découvre que, à l'endroit où a été érigée la cathédrale, se trouvait avant un temple dédié probablement au dieu Jupiter, datant du 1er siècle. Ce n'est que bien après, au 9e siècle après l'émergence du christianisme, que l'on érige sur l'île de la Cité une basilique. Et 3 siècles après, une nouvelle mode émerge. Les cathédrales. Des lieux de culte très grands où se trouve le siège d'un évêque. Au début, celle qui deviendra la cathédrale Notre-Dame est une cathédrale de style roman. C'est un style architectural qui est apparu au 9e-10e siècle qui se caractérise par une certaine simplicité. Le christianisme se répand dans toute l'Europe et il faut construire des lieux de culte rapidement. Et par souci de praticité, on fait ces édifices avec peu de relief qui ne laissent que très peu entrer la lumière. Mais la cathédrale ne fera pas long feu. Sans mauvais jeu de mots. En effet, en 857, des hordes de Normands débarquent pour piller Paris et la cathédrale prend feu. Donc non, l'incendie de 2019 est très loin d'être le premier de la Grande Dame. Et bon, de toute façon, à cette époque, les incendies sont très fréquents et surtout beaucoup plus dévastateurs qu'aujourd'hui. La plupart des bâtiments sont en grande partie faits de bois et à l'époque, on n'a aucun moyen d'éteindre un feu efficacement. Mais comme à l'époque on ne lâche rien, on rebâtit une cathédrale toujours dans un style roman. Et au 12e siècle, c'est un nouveau style architectural qui séduit toute l'Europe occidentale, le gothique. Au revoir les murs droits, simples et avant tout pratiques, et place à des édifices colossaux, faits de nombreux reliefs, d'arcs, de voûtes, de vitraux et évidemment la lumière qui pénètre enfin dans les cathédrales. Le tout avec une minutie absolument folle pour l'époque. On compare même ces bâtiments avec de la dentelle, c'est pour vous dire. La cathédrale n'est plus seulement un lieu de culte, c'est une œuvre d'art. Un chef-d'œuvre offert à Dieu. En 1160, on ne sait pas exactement qui eut l'idée en premier, mais il est fort probable que ce soit l'évêque Maurice de Sully, qui eut l'idée de bâtir un sanctuaire beaucoup plus vaste à la place de l'ancienne cathédrale romaine, qui commençait à tomber un peu en morceaux. C'est donc en 1163 que débute la construction de Notre-Dame de Paris, telle que nous la connaissons en l'honneur de Marie, la mère de Jésus. Non seulement on souhaite créer cette immense cathédrale pour honorer Dieu, mais aussi pour enfin placer Paris comme une ville centrale du royaume de France. Et puis au 12e siècle, Paris fait face à une crise démographique. Paris devient en quelques années l'une des plus grandes villes d'Occident, avec près de 50 000 habitants. Et bon, aujourd'hui ça semble un peu ridicule, mais 50 000 habitants en 1180, bah c'est déjà énorme. La construction va se dérouler jusqu'en 1345, soit près de 2 siècles de chantier. Alors même si en réalité ce genre d'édifice n'a jamais réellement de début ni de fin. Pour prendre l'exemple de Notre-Dame, son histoire est faite de construction, de destruction et de reconstruction, que ce soit volontaire ou non. Depuis le 9e siècle et l'époque où ce n'était encore qu'une basilique jusqu'à encore aujourd'hui. La cathédrale va en effet connaître de nombreux changements au fil des siècles. Mais avec l'incendie survenu récemment, ce dont on a le plus parlé, c'est la flèche et la charpente. En effet, la flèche dite de Viollet-le-Duc ne date pas du tout du Moyen-Âge, ce qui montre justement que l'édifice est en perpétuel changement. La flèche de Viollet-le-Duc vient de Viollet-le-Duc, un architecte français du 19e siècle. Oui, cette flèche n'avait que 200 ans, enfin... que 200 ans, par rapport au reste de la structure. Car oui, la charpente, elle aussi avait une histoire. Mais bon, je peux comprendre que quelqu'un qui ne connaisse pas l'histoire de la cathédrale se dise que, bon, tout a été sauvé, ce n'est que le toit. Sauf que non, on surnommait la charpente d'ailleurs la forêt, car il a fallu couper environ une forêt entière pour construire cette charpente. Et le bois qui constituait la charpente avait aussi une histoire, puisque les poutres n'avaient quasiment pas changé, et parfois certaines avaient plus de 800 ans. Alors oui, la perte de cette charpente équivaut à la perte d'une œuvre d'art. Elle symbolisait le savoir-faire et le talent des charpentiers qui avaient su concevoir une toiture qui aura traversé les siècles. La charpente, elle aussi, avait été grandement rénovée au 19e siècle par Viollet-le-Duc, mais en gardant le bois original. Il avait eu également pour projet de transformer les 2 tours à l'entrée de la cathédrale, mais le projet n'a jamais pu aboutir. Maintenant, je vous propose de revenir, grâce à des tableaux et à des photos, sur des épisodes marquants de l'histoire de France, qui se sont déroulés à Notre-Dame. En 1163 débute le chantier. En 1239, Saint-Louis dépose la couronne d'épines du Christ récupérée en croisade. En 1431, le sacre d'Henri VI d'Angleterre marque la fin de la guerre de Cent Ans. En 1660 a lieu le mariage de Louis XIV. En 1789, la cathédrale devient une propriété de l'État. En 1804 se déroule le sacre de Napoléon. En 1940, on protège la cathédrale contre les bombardements. Le 26 août 1944, la libération de Paris en présence du général de Gaulle et du général Leclerc. 9 mai 1945, messe pour la fin de la guerre, en présence du général de Gaulle, du gouvernement et des ambassadeurs des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'URSS. En 2007, les funérailles de l'abbé Pierre.
En 2015, une messe est donnée après les attentats de Paris. Et enfin, en 2019, l'incendie de Notre-Dame. Oui, comme vous avez pu le voir, son histoire est riche et longue. Alors j'ai essayé de tout condenser dans une vidéo pas trop longue et assez digeste. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement le blog Actuel Moyen-Âge qui a réalisé un excellent thread sur Twitter sur l'histoire de la cathédrale et aussi le site de Notre-Dame qui regorge d'infos. D'ailleurs, je vous signale que la Fondation du Patrimoine a ouvert une collecte pour récolter des fonds pour reconstruire la cathédrale. Et du coup, si vous avez envie de participer à votre manière à l'histoire de ce lieu millénaire, bah, n'hésitez pas à leur faire un don. Et puis je vous rappelle aussi que les dons à ce type d'association sont déduits de vos impôts. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à aller me suivre sur Twitter, Instagram et à me financer gratuitement sur Utip. Et je vous dis à la prochaine.